Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ok, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Chérie, c'est quoi? Gentil, mais je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Non, tu peux parler autrement, Dave. À ta nièce, hein, quand même. Allô? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Oh mince! J'ai oublié de lui donner ça. Papa? Explosion des admissions dans les hôpitaux de la région. 300%. Infection mystérieuse. Coronavirus, les enfants. Il l'avait dit. Taille de chambre, quand même. Est-ce que t'es passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes passants d'agressivité. Oui, évacuez tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. C'était quoi? Une explosion grande. Papa?
Et où est-ce que t'es? Rappelle-moi, j'arrive bientôt. Où est-ce qu'il est? C'est un chien. C'était un chien. Te voilà. Sarah. Roche. Tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Hoppers. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là! Jimmy! Attendez, 30 secondes. Je vais baisser le son du jeu. Ah, mais... Je sais que le son va passer au-dessus de ma voix sinon. Sarah. Il s'est tué tout seul. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Ouais. Camille, allez. Allez. Tout est dépassé. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? Non, du tout. Je suis un peu teubé, pourquoi? T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tiens, on est pareil que la moitié de la ville a perdu le pédale. C'est ce qu'il en reste. On fait pas pour lui. Malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien. Prends-moi. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien. Quelqu'un d'autre va s'en. D'accord. Oh, quelques bouchons. Tommy! Tommy! Qu'est-ce qui vient d'arriver? Qu'est-ce qui vient d'arriver? T'as vu ça? Oui,
j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici. Non, mauvais bail. Ah, je l'avais dit. Je fais de mon mieux. On peut pas rester ici. Merde, je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Wow, t'as personne derrière. T'aurais pu passer en marche arrière, hein, plutôt. Allez, il s'en suffit. Papa ? Hey ! Hey ! Recule, ma puce. Recule. Toi déjà frérot donc là, gros. Besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok. Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Je vous en prie. Oh non. Sarah. Voir un truc. Ah non, enfin j'attends. Non. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Là, on paraît bizarre. Moi, je sais que t'as mal.
Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Oh, Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger nos citoyens. Désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non. Pas dès le matin, t'es folle. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Oh, t'es bien curieux, toi. Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens ? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok ? Ouais, wow. Je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? Malheureusement, oui. T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Non. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. C'est vulgaire quand même tout ça. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. On va aller lui botter les fesses. Ça va signer. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On va bien de se manier. J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai à leur dire. Pensez sans faute. Et toi, Joël, on t'a déjà appelé pour ce sale boulot ? Ouais. Non. Ouais. C'est sûr. Ça veut dire quoi, ça ? Tu as un coup de tête ? Ouais.
Regarde ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. Non, on s'en fout. Seul scanner. Hein. Qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Salut, Joël. Salut. Tu sais qu'ils ont emmené Marianne ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont venus l'arrêter au beau milieu de la nuit. Ils l'accusent d'être une luciole. Tu crois ça ? Baisse d'un ton quand tu parles des lucioles. Quelqu'un de mal intentionné pourrait t'entendre. Ouais, t'as sûrement raison. Ok, si vous avez fini. Poste de contrôle à gauche. Ok. Vous êtes trop bavards, les gens. Ils sont morts devant moi. Ces coureurs sont sortis de nulle part. Qu'est-ce que je vais raconter à leur famille ? Trouble parmi les habitants. Nous avons eu de nouveaux papiers. Pour les anéantir, c'est assez cool. Surtout, reste cool. T'as pas vu Marc ? T'es pas au courant ? Ils l'ont chopé avec des fausses cartes de rationnement. C'est pas vrai. Non, c'est con. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? À ton avis ? Ils l'ont tabassé et ils l'ont embarqué. On l'a pas revu depuis. Non, mais quel con. C'est pas bourré d'avance. Il a une famille. Quel choix il avait ? Justement, regarde où ça l'a mené. Hé, Trouduc, qu'est-ce que tu regardes ? Ronnie, ferme-la, putain. Salut. On veut pas d'ennui, d'accord ? Y a pas de problème. Qu'est-ce qui tourne par où, chez toi ? C'est bon. Circulez ! C'est bon ? D'accord. T'as vu ce bordel ? J'y étais.
Ça donne quoi dans le tunnel est? RAS. Bah, c'est tout noir. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Salut les gars, comment ça va? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça? J'arrive. Faites attention à vous là-bas. Faire gaffe à ce qu'ils jettent ici. Et la lumière fuit. Allons prendre notre matos. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Pas beaucoup de munitions. Les gaspilles. Ça va aller, t'inquiète. C'est vachement discret, comme. C'est une question piège. J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben, je suis du genre romantique. T'as d'autres atouts. Sympa. Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Je l'ai. Super, apporte-la ici. Mais, qu'est-ce que tu fais? Avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici.
descendre par là. Je crois que Robert a toujours nos armes. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Attends. Des sports. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il n'y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Putain. Le carnage, quand même. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde! Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Doucement. Putain! Attention, attention! Salut, moi! Mon masque pété! Ne me laissez pas muter! Pitié! Qu'est-ce que tu veux faire? En route! Désinfecter, c'est de s'infiltrer dans la zone. Bon, on les a tous eus. J'espère bien. Allez, on retourne en ville. Enfin, un peu d'air frais.
Il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. J'ai horreur de l'odeur qui est en ville. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Hé, hey, ce serait une bonne idée s'ils n'étaient pas tous périmés. Ouvre l'entrée. C'est bon. Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Est-ce que ça roule là ou pas ? C'est dans celui-là, je crois. Par le ton, madame. C'est lourd, ce mec. Pas de carte de rationnement. Pas la peine de me faire perdre mon temps. Je suis pas là pour faire du troc avec des balles. Ça va, la meuf. Maniez-vous, on crève de faim. On se calme un peu. La prochaine tournée arrive tout de suite. T'as intérêt à faire la queue comme tout le monde. Putain. Désolé, mais tous les chiens sont déjà réservés. Je les ai vendus en moins d'une heure. Reviens dans une semaine. Tu payes. Même pas peur. Ça faisait un bail. Tu nous rends plus visite. C'est qui, ça ? Occupe-toi de tes affaires. Mec, elle fume sa gueule. Nettoie-lui les yeux. Ah bah oui, il est KO, le mec. C'est con.
Je reviens. Où est-ce que tu crois aller ? Malik, rassieds-toi. Désolé, je ne savais pas d'où vous étiez ensemble. Allez-y. C'est qui ? Une vieille prise de tête. Je cherche pas. De ses têtes, la tchotte. T'as les yeux bien rouges, toi. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. On va avoir les dialogues complètement décalés. C'est parti. Faut qu'on passe. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. C'est déjà dans la version normale du jeu. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez ici immédiatement. Planquez-vous. T'es prêt? Je te couvre. Ouais. Élimine-le. Oh merde! Oh ah
suis pas mauvais, hein. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. Allons y mettre. J'avoue. Hé, aide-moi à monter. Ok, bien. Donne-moi ta main. Sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. On peut savoir qu'ils sont morts. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne voit ici. Thank you.
Pourquoi je peux dire? Mais non, ça va aller bien, ma vie. Pourquoi tu me demandes juste... On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Ils nous auraient ralenti. Ouais, t'as raison. Bien, les quais sont par là. Ça part de la bouffe. C'est dingue. Ça serait du suicide d'aller dehors. Je préfère encore rester ici. J'aime bien te regarder travailler. Le bureau, là. Robert a dû s'y réfugier. Oops.
Ok. Oh, putain ! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok ? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes ? Ouais, bien sûr. C'est compliqué. D'accord ? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois... Ah ! Oh, merde ! Ah ! Stop ! Stop ! Stop ! Arrête de gigoter. Tu disais ? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah ! Enfoiré. Qui a nos armes ? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi ? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ? On va récupérer notre marchandise. Comment ? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là ? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert ? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On n'a pas le choix. Alors, je vais essayer un truc, voir si ça change vraiment. On doit partir d'ici, maintenant. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. Je connais un autre chemin. Venez. Oh.
lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous conserver. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Faufiler dehors, même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Ok, soyez prudents. Faites pas de bruit, soyez prudents. Où est-ce qu'on va, Marlène?
Par ici. On n'est plus très loin. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Ça veut absolument rien dire. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. Allez. On est presque arrivé. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Mort sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Je vais être surpris, frère. Tu vas être surpris, mon ami. Joël, donne-moi un coup de main. Oh. Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Oh, la Miss Cascouille. C'est pas une missiole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie, c'est notre seule chance. Hey. C'est elle qu'on fait sortir. Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Pas vraiment. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense la pas merde, que ce soit une bonne idée. Avec lui. Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. J'ai entendu les tirs, mais... C'était quoi ? Les lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Ouais, je te suis. Par ici. Allez, dépêche-toi. Où est-ce qu'on va ? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une minute.
Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. On est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah ben. Il faut pas. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. J'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. Ouais. Ouais. Allons-y. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. J'avoue. Allez. Sortie, tu feras tout ce qu'on te dit et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème.
Demande vérifier que la voie est libre. Bougez pas, il y a une patrouille en approche. Ok, c'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. Bon, au contraire, si. Je suis vraiment dehors. Le temps qu'il fait depuis hier chez moi, et du vent en plus chez moi. N'essayez pas de vous enfuir. Oh, je vais pas fuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée. Merde! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours. Alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Cours! Debout! Allez, cours! Les feux sont de la mort. Je répète. Suivez-moi. Vite. Ok, quand je te donne le signal, on court. Signal, on court. Figé. Vas-y. Cours. Ellie, il va encore falloir courir. Prête. Ouais. C'est bon. Chier, ils sont partout. Restez derrière moi. Attention, qu'elle nous voit. Allez, suis-je. Chose. Ouais, c'est ça. C'est comment chez toi?
passer par là. Tu sais par où il faut aller? Voyons ça. Ouais, ça doit être ça. Éloigne pas. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Passer par là. Merde, merde. Encore des soldats. Cible tout en suite. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vu. Sécurité ? Non. Ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Compris, chef. En haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. T'éloigne pas, Amy. Ok. Et je pense qu'on va arrêter là avec The Last of Us pour aujourd'hui. Après la cinéma. Ils sont partis. J'ai juste changé de jeu en fait, hein, surtout. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que. Ils avaient leur propre zone de quarantaine, avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... Quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ?
J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Bon, on va arrêter là.